ayant foulé la terre béninoise depuis 72 heures, l'icône de la rumba, la star congolaise Fally Ipupa, dit Cap la Merveille, a rendu visite au Pepita de Medellín dans la matinée de ce vendredi 5 janvier 2021. Après l'installation de l'hôte, c'est avec une ambiance chaleureuse que les Pepita accueillent la star. Après avoir savouré cette belle prestation, Fally Ipupa se dit très émerveillé. J'ai fait comme si j'étais à un concert des Pepita et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup jailli, comme on dit, et ça m'a beaucoup touché. Ils sont très, très talentueux. Je suis très, très content d'être ici. Et je les ai découverts via les réseaux sociaux, mais en live, c'est quelque chose d'exceptionnel. En tout cas, merci beaucoup. Le promoteur des Pepitas, débordé de joie, donne ses sentiments. Les mots me manquent pour exprimer clairement mes sentiments, parce que vous savez que l'artiste de renommée internationale, Fally Ipupa, est sur la terre béninoise il y a à peine 48 heures, et il ne s'est même pas encore produit à Cotonou. Et Medellín a été le premier endroit où il a mis pied, pas en tant que artiste, mais en tant que spectateur pour apprécier le travail que nous faisions depuis au niveau des Pepitas de Medellín pour révéler la culture
béninoise, la culture africaine. Donc c'est des sentiments de fierté, de joie pour moi aujourd'hui et de satisfaction. Le responsable des Pepita émotionné est à court de mots. Je retiens qu'il a eu vraiment de la présence et il y a eu beaucoup d'émotions. Et je crois qu'une fois, l'artiste Fally ne s'est pas trompé. Avec les enfants, c'est un peu difficile, mais c'est passionnant. Et il y a de la disponibilité après les écoles. C'est des âmes qu'on maîtrise le mieux. Et quand vous aimez les enfants, c'est toujours plus facile de travailler avec eux. Et l'autre chose, c'est que les enfants sont très, très créatifs. Ils apportent beaucoup dans ces genres d'ateliers. Et ça facilite un peu les choses. Et l'amour, tout ce qu'il y a autour, ça participe vraiment de la continuité de l'atelier. Notre centre, le centre des arts et métiers de Mérée Djanou accueille beaucoup d'enfants. Ils viennent de partout d'ailleurs. Si tu as ce quelque chose qu'on recherche, je crois que tu fais partie d'office de l'atelier. L'objectif de l'atelier, c'est que ça continue, que ça soit ce vivier artistique dont le Bénin rêve tant. Si on était soutenu, on allait le faire. On a un projet de tourner à travers le Bénin, mais ça c'est pas encore fait parce qu'on n'a pas encore les moyens. De plus, il lance un appel aux acteurs culturel. C'est vrai que voilà, on est bien connu à travers le monde, mais ça, on transpire beaucoup. On voudrait vraiment que les acteurs culturels, les ressorts culturels se rapprochent de nous pour nous donner un coup de main pour que ça devienne un grand patrimoine national et qu'on parle beaucoup plus de Pepita à travers le monde. Les spectateurs ne peuvent exprimer la joie qui les anime. Ah bon, on est vraiment content. Et s'il fallait pouvoir faire le déplacement depuis Congo jusqu'au Bénin et s'est rendu précisément à Mende Djanou, c'est une grâce pour nous. On est émerveillés, on est content. On ne peut pas exprimer notre joie, mais on est vraiment content. Très bon séjour à Fally Ipupa au Bénin. Ngongon yago boye o yago yo. Ngongon yago boye o yago yo. Kambo yago loba o yago yo. Eloko nende nyama yago yo. Esamba ba mituka o yago yo. Esamba ba lopango yago yo. Pokpokpe mitiga o yago yo. Eloko nyago nini ye miziki. Eloko nyago nini ye miziki. Nalena biyoso, kakola moda o biyoso. Nalena biyoso, kakola moda o biyoso. Lagos, 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 Lagos. Le 2 juillet, biso tembe na fwa. Musique. Le 2 juillet, biso tembe na fwa. Musique. Le 2 juillet, biso tembe na fwa. Lego, 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 Lego.